Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette remise exceptionnelle du prix des 5 continents de la francophonie. En tant que directrice de la langue française et de la diversité des cultures francophones, je suis très heureuse de pouvoir animer cet événement malgré son format assez particulier au vu de la pandémie, mais au moins avons-nous le plaisir d'avoir une diffusion à large échelle puisque vous nous suivez nombreux sur les réseaux sociaux. J'ai également le plaisir d'être aux côtés de Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, pour accueillir la lauréate du prix des 5 continents de la Francophonie, la franco-rwandaise Beata Umubiyi Meres, pour son roman « Tous tes enfants dispersés » paru aux éditions Autrement, que nous saluons au passage. Une mention spéciale a été également décernée à Paul Kausak, le franco-québécois, pour son roman « Ténèbres », paru aux éditions Peuplade. Je suis également ravie de pouvoir saluer la présence sur notre plateau de la présidente du jury international du prix des 5 continents de la francophonie, Madame Paula Jacques, qui, pour les rares personnes qui pourraient ne pas la connaître, est née au Caire. Puis elle a rejoint la France au début des années 60, après un bref passage en Israël. Et Paula Jacques est une passionnée de lecture, de radio et bien entendu d'écriture. Vous avez, Paula, obtenu le prix Femina en 1991. Avant de laisser la parole à notre secrétaire générale, je voudrais très vite, en deux mots, pouvoir présenter le prix des 5 continents. Ce prix est né en 2001 et il est né de l'ambition, de la réflexion et du travail de notre organisation. C'est donc un pur produit de l'OIF. Il est né pour récompenser les talents littéraires de l'ensemble de l'espace francophone. Il est né pour les accompagner et pour les faire rayonner sur la scène internationale. Mais il a suivi parfaitement sa trajectoire et son ambition première, celle de passer d'ici à là-bas, celle de pouvoir dire et raconter au travers des écritures multiples et variées de l'espace francophone, pouvoir dire et raconter justement les récits de vie représentatifs de la diversité culturelle et linguistique de l'édition en langue française. Ce prix a 20 ans aujourd'hui, Madame la Secrétaire Générale, il reste moderne, il reste actuel, parce qu'il a su s'approprier la langue française, la prendre à bras le corps pour la mettre au service des 5 continents de la francophonie. Je voudrais maintenant passer la parole à notre secrétaire générale, mais je voudrais d'abord vous demander, Madame la Secrétaire Générale, étant donné que nous avons notre lauréate, qui est comme vous, du Rwanda, il se trouve qu'elle est du Rwanda, il se trouve qu'il s'agit d'une femme francophone et sans aucun doute résiliente, je me posais la question de savoir, Madame la Secrétaire Générale, si vous-même, dans le parcours de votre vie qui a durement sûrement être parsemé de patience, de persévérance et bien entendu de résilience, dans quelle mesure est-ce que votre parcours personnel, mais aussi professionnel, trouve écho au thème que nous avons retenu cette année pour la Journée internationale de la francophonie, à savoir femme francophone, femme résiliente. Madame Louise Mushikiwabo, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup Nivine, et je suis ravie en cette semaine de la fête de notre organisation d'être parmi les femmes que moi j'ai l'habitude de qualifier comme des femmes bien. Et je ne pouvais pas être plus heureuse que d'avoir eu la surprise de la lauréate de notre prix des 5 continents. J'en dirai un mot dans une minute. Et c'était vraiment une surprise. Je lui expliquais tout à l'heure. Je n'avais aucune idée que la personne qui allait être couronnée par la francophonie avait une relation
avec moi, avec qu'on partageait en tout cas pour elle à moitié le pays puisqu'elle est franco-rwandaise. Et je rentre chez moi un soir, j'allume la télévision et on parle du prix des cinq continents. Et donc je suis intéressée, je m'approche et voilà, on présente la lauréate. Et franco-rwandaise, ah bon? Le prix des cinq continents de la francophonie, ah bon? Donc je n'avais aucune idée. Mais c'était une belle expérience. Après une longue journée, comme on en a à la francophonie, le soir d'arriver chez soi, ça m'a fait passer une belle soirée. Et je me suis intéressée au livre. Alors, mon parcours personnel. Donc, moi, je suis rwandaise. Je suis une femme qui représente, je me sens vraiment la fille des indépendances du continent. Je ne vous dirai pas mon âge, mais j'ai le même âge que plusieurs indépendances du continent. Et ce parcours lui-même, des années 60 à aujourd'hui 2021, c'est un parcours qui, sur le plan personnel, représente une période difficile. Difficile pour nos pays, pour nos familles, pour nos parents et pour le Rwanda d'une manière particulière, parce que les troubles au Rwanda ont commencé à la fin des années 50, donc début 60. Moi, quand je suis née, mes parents étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des déplacés en interne, c'est ça? On est réfugié dans son propre pays. Ils avaient quitté l'endroit qu'ils avaient habité pendant longtemps, pas très loin de Kigali, la capitale du Rwanda, était tout près de la capitale. Et je suis née à ce moment-là, je suis née dans ce qui est aujourd'hui le centre hospitalier de Kigali. À l'époque, c'était un petit pavillon, d'ailleurs ça s'appelait le pavillon. Et c'était une période difficile pour mes parents. Alors, encore sur le plan personnel, je suis le produit d'un couple formidable. Et je pense que dans ma vie, je représente mes deux parents. Quand je suis née, mon père était beaucoup plus âgé. Bon, quand mon père a épousé ma mère, il était beaucoup plus âgé. Et mon père était un homme qui était très attaché à la terre. Il était fermier. Il adorait faire pousser les choses, des plantes. Et il était dans la culture du café. Plus tard, il était dans la collecte des impôts café, le Rwanda étant un pays qui produit beaucoup le café. Et ma mère est une femme qui, je parle toujours d'elle au présent, parce que ma mère, mes deux parents sont décédés. Ma mère donc a été tuée pendant le génocide. J'étais étudiante aux États-Unis. Et ma mère vient d'une famille aristocratique. Rwandaise. Son père était conseiller du roi à l'époque. Ma mère vient d'une famille de grands écrivains, l'abbé Alexis Kagame du Rwanda, c'est mon oncle, et d'historien, d'une famille assez culture, assez littérature. Et moi, je viens de ces deux mondes-là. Encore une fois, sur le plan personnel, je suis la cadette d'une famille qui était de 9 enfants, d'où mon nom, Mushikiwabo, qui signifie leur sœur. 2 filles, 7 garçons, et j'étais la dernière, donc leur sœur, Mushikiwabo, la sœur de eux, littéralement traduit. Et j'ai grandi très choyée. Oui, j'étais la cadette, voilà. Mes nombreux frères et ma sœur allaient à l'école. J'étais encore toute petite, avec
en gros afro, un peu curieuse de nature quand j'étais toute petite. Et quand je pense à ce qu'on fait aujourd'hui ici et ce que je fais dans ma vie professionnelle, je me dis quand même la vie est un parcours parsemé de choses intéressantes. Quand j'étais toute petite, mon père m'a appris à lire et écrire. Je n'étais pas encore en maternelle. Donc quand j'ai commencé l'école, je pouvais lire un livre. Et mon père, qui était un homme quand même de l'avenir à son époque, disait chaque fois, mes deux filles, elles vont aller loin. Et donc, moi, étant la seule qui restait à la maison parce que je n'allais pas encore à l'école, je m'asseyais sur ce qu'on appelle chez nous la barza, derrière, du côté des petits jardins potagers. Et mon père m'apprenait à lire. Et mon père ne parlait pas bien français. Il était fier de nous faire une compétition quand mes frères et ma sœur rentraient en vacances. En français, il faisait comme si c'était lui notre professeur, il nous notait tout ça. Et ma mère était une femme formidable, forte, douce, une femme qui avait vraiment embrassé la vie. Malgré les difficultés, parce que comme je vous dis, après la vie s'est améliorée, mais je suis née à une période très difficile de turbulence. Et donc j'ai pris de mon père et de ma mère, qui était une femme mais des plus résilientes, une femme qui passait à travers des difficultés avec un sourire. Et je me suis dit, quand j'avais 25 ans, je disais chaque fois, j'ai envie de vieillir comme ma mère, très humaine, une femme vraiment d'une force intérieure incroyable. Et donc, les femmes résilientes, il y en a beaucoup dans le monde. Il y en a beaucoup dans le monde francophone. Moi, j'ai envie de, quand je quitte les fonctions que j'occupe aujourd'hui, j'ai envie de raconter l'histoire des femmes, les histoires des femmes. De partout, qui portent leur communauté, leurs enfants, qui se sacrifient beaucoup, mais qui restent quand même l'épice de la vie. La femme, c'est l'épice de la vie. La femme, c'est la transformatrice des communautés, des sociétés. Et parfois, on se trompe sur elle. On pense qu'elle est faible. On pense qu'elle ne peut pas résister. D'ailleurs, à un certain moment, ceux qui se trompent disaient que le sexe féminin, c'est le sexe faible. Mais c'est bien parfois de se faire sous-estimer, parce qu'après, on revient avec, avec beaucoup de force. Et pour nous, à la francophonie, le thème de l'avancement de la femme, de ses droits, de l'égalité de la femme avec l'homme, de la femme qui évolue à côté de l'homme, parfois main dans la main, c'est une valeur capitale pour moi. C'est une valeur capitale. L'organisation s'est engagée là-dessus depuis plusieurs années, bien, bien avant mon arrivée à la tête de l'organisation. Et c'est un chemin que je veux continuer à tracer. Et aujourd'hui, malgré la période sanitaire très compliquée pour le monde entier, nous sommes en 2021, on espérait sortir de 2020 avec des bonnes nouvelles côté santé. Ce n'est pas encore le cas. Ça, je pense que ça va aller dans quelques mois, ce n'est pas encore le cas. J'ai pensé que c'était important de parler et de placer cette année la fête de la francophonie sous les couleurs de la résilience de la femme. Et je suis heureuse que ce soit une femme résiliente, fille d'une femme résiliente. Je ne vous dévoile pas ce qu'il y a dans le livre,
qui est honoré par la francophonie. Et voilà, je ne pouvais pas être en meilleure compagnie. Merci à vous, Madame la Secrétaire Générale, de votre réponse. J'ai retenu que votre papa avait cette belle vision de dire que vous iriez loin. Vous êtes allée loin, Madame la Secrétaire Générale. Très loin, hein? Plusieurs heures en avion. Voilà, et vous avez également parlé de cette vision d'avenir. Et là, je comprends beaucoup mieux votre attachement à la francophonie de l'avenir, telle que vous aimez à nous la demander et à la travailler. Et les femmes sont résilientes, les femmes sont francophones, les femmes sont fortes, mais les femmes sont aussi curieuses. Et c'est une curiosité bienveillante et constructive qui me fait demander à Paula Jacques, notre présidente, de nous parler un petit peu, de nous raconter les coulisses des délibérations du prix des 5 continents de la francophonie. La parole est à vous, Paula. Je voudrais d'abord donner mon sentiment sur le prix de la francophonie. Vous savez qu'en France, je crois que c'est le pays qui décerne le plus de prix. Je crois qu'il y a un prix littéraire qui est décerné tous les deux jours. La grande exception du prix des 5 continents, d'abord, c'est que, comme vous le disiez, il nous ouvre à la littérature du monde entier, aux problèmes du monde entier. Nous ne sommes pas limités simplement à ce qui se passe dans notre petit hexagone. D'autre part, les livres de la francophonie contiennent un monde, les livres de la francophonie contiennent, embellissent, excusez-moi, et magnifient la langue française. Par ailleurs, ce n'est pas simplement un prix qui permet aux lauréats d'être un petit peu connus, de toucher de l'argent pour continuer à écrire. C'est un prix qui va l'envoyer dans tous les pays de la francophonie, sauf en cette période malheureusement, pour rencontrer ses lecteurs, pour rencontrer ces continents-là, ces continents d'où jaillit une telle belle littérature française. Et il est tellement important que la francophonie continue à se perpétuer. Elle va se perpétuer évidemment par les enfants qu'on scolarise, mais aussi par les grands livres qu'on se doit de lire. Et il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, comme nous tous, je souhaite que le français, cette langue extraordinaire, cette langue universelle, qui a été ma langue maternelle, continue à régner. Parce que vous savez, il paraît que même au Québec, à Montréal, il paraît que de plus en plus de Québécois ignorent le français et parlent l'anglais. C'est une chose qui m'inquiète énormément. Donc le prix des 5 continents, c'est tout le monde de la littérature contenue dans un livre, et c'est aussi ce lien que nous avons à travers la langue française avec tous les continents de cette planète. Je reste sur ma fin, Paula, parce que j'aurais voulu que vous nous racontiez un petit peu les, oui, les coulisses. Bon, ça, c'est, alors, vous savez, c'est la curiosité féminine là, qui revient. D'habitude, comme tous les jurys, on s'écharpe un peu, on s'engueule. Et puis finalement, une fois que le lauréat est nommé, tout le monde est content. Ce dernier prix où nous avons donc élu Béaté et Paul Kaouchak, nous étions simplement 5, nous étions en visioconférence. Comme tout le monde, c'était un petit peu compliqué, même un peu bordélique, pour tout dire, parce que pour arriver à recueillir les opinions de tous ces membres, de temps en temps la caméra s'interrompait, de temps en temps quelqu'un partait pour boire un café, je ne sais quoi, enfin bon. Donc nous avons quand même réussi à nous mettre d'accord, pas trop difficilement. Encore que dans cette sélection de cette année, il y avait de très très beaux livres, Béata. Je ne dis pas ça, je dis ça au contraire pour montrer à quel point le vôtre nous a séduit. Les livres étaient d'une qualité extraordinaire. En fin de compte, ben voilà, en 1h30, nous étions arrivés à nous entendre. Parfait. Alors, Béata, c'est le moment de vous adresser à vous, de m'adresser à vous pour vous dire donc que nous avons opté pour vous écouter, lire un passage de votre roman. Et c'est une lecture à deux voix que nous avons préparée avec un jeune lycéen d'origine roumaine, Adrien Grosu, qui a 14 ans et qui va partager avec vous cet exercice. Mais j'aurais voulu, avant de commencer la lecture, que vous puissiez nous présenter et nous annoncer la partie que vous avez choisi de lire et nous dire un peu pourquoi cette partie plutôt qu'une autre. Alors d'abord dire que c'est vraiment une joie de pouvoir lire avec Adriane. Je pense que cette lecture à deux voix d'une génération à l'autre symbolise aussi quelque part ce côté de passeuse que peut être la littérature et de se dire que déjà la génération suivante est prête, lit et écrit.
Alors, c'est l'extrait que nous avons choisi. Alors, ça ne va pas vraiment divulgâcher l'histoire, mais c'est quand même la fin du roman. C'est une scène qui se passe entre Blanche, la mère, et son fils Stockley. Mais c'est une scène que j'ai aussi écrite par un jeu de miroir avec la scène initiale du roman, qui elle aussi est une scène au même endroit, sur la Barza, cet endroit dont parlait Madame la secrétaire générale, la Barza devant la maison, à Boutaré, au même endroit, 25 ans après, la mère et le fils revivent quelque chose, se rappellent de ce que Blanche et sa propre mère avaient pu échanger sur cette Barza. En fin de journée, quand un petit vent frais recouvre doucement les toits de tuiles et de tôles de Boutaré, le fils et la mère se retrouvent assis sur la Barza de la Grand Rue. Blanche a trouvé à la coopérative artisanale un très vieux banc taillé dans un bois inconnu que le marchand a rechigné à lui vendre. Il ne comprenait pas pourquoi elle préférait justement celui-là qui était tout usé, voulait lui en faire choisir de plus solide, de tout neuf, à ses yeux plus désirable. Blanche est attristée par l'attrait démesuré de ses semblables pour le neuf et la modernité. Elle qui est si attachée à ce qui a disparu, aurait voulu lui dire combien les objets et les maisons anciennes sont précieuses, trésors de possibles réminiscences à portée de cœur, pour supporter l'absence de tous ceux qui ne sont plus. Mais elle s'est contentée de payer le banc et s'est hâtée de rentrer pour le présenter fièrement à son fils en disant « Nous allons, toi et moi, grâce à cette vieillerie, restaurer une ancienne tradition familiale. » Elle lui a parlé des soirées d'enfance quand Immaculata les préparait au sommeil en leur contant les mille et une fantaisies du pays des collines, les fourberies de Wakame, les hauts faits des dynasties royales qu'elle entrelaçait de quelques vers de la poétesse Nyirarumaga. Elle lui a dit que c'est sur ce banc qu'elle a compris la beauté de sa langue maternelle et le pouvoir des mots, quand on ose les libérer de leur cocon. Depuis quelques mois, en préparation de ce deuxième séjour au pays, Stockley se replongeait dans son manuel d'apprentissage du Kinyarwanda. Il a demandé à son seul cousin francophone, Arsène, qui a fait un choix incongru pour l'époque, de rester à Butaré et d'étudier les lettres à l'université de Ruandé, et de lui donner quelques cours. Chaque fin d'après-midi, il travaille durant une heure sur la table du salon, le vocabulaire et la prononciation. La grammaire, trop complexe, viendra après. Stockley a prévu de passer 3 mois ici. Un soir, très vite après l'arrivée du banc sur la Barza, il demande à sa mère s'il peut apporter une innovation à la tradition. Un petit lecteur de cassettes à pile pour écouter en sordine sur la terrasse la cassette que sa grand-mère avait jointe à son dernier courrier. La mélodie composée avant la guerre par le grand poète Cyprien Rugamba et chantée par sa chorale, les Amasimbi Namakombe, qu'il s'est mis en tête d'apprendre par cœur, phonétiquement, en attendant de maîtriser la langue. La chanson s'appelle Akabiino Ka Nyogokuru. Blanche lui en traduit les paroles. La petite danse de grand-mère. Elle qui a vieilli, puis m'a laissé sur terre. J'en ferai un mémorial. Je rassemblerai ceux de ma génération pour qu'ils m'aident à la chanter. Je leur enseignerai ce qu'il faut respecter. Une femme qui a porté le diadème de la maternité ne doit pas voir son nom oublié. Nous, ses enfants, devons danser pour elle. Je danserai pour m'auréoler de son souvenir. Blanche partage avec lui le souvenir de sa mère enfant. À l'école primaire d'Ikomoko, qui avait mémorisé des chants en français dont elle ne comprendrait le sens que plusieurs années plus tard. Elle y dit sa joie de le voir s'attacher à sa langue natale, s'excuse encore de ne pas être parvenue à la lui apprendre quand il était enfant. Tu verras, le Kinyarwanda est plein de recoins, de cachettes. Il est un peu retors, tu sais, un peu comme nous. Elle lui révèle que ce nom à elle, Uikeza, a un double sens. Ikeza peut avoir deux racines. La première, Ikinukizakane,
une très belle chose. Oui, Chiesa est la femme parée de mille et une beautés. Mais la seconde renvoie à l'ancien rite du deuil rwandais. Quand les gens prenaient le deuil, ils se couvraient de cendres. C'est pour cela, par exemple, que les autorités ont décidé de remplacer le mauve du rituel chrétien par le gris cendré lors des commémorations du génocide. Au moment de marquer publiquement la fin de la période de deuil, on retirait la cendre et on l'a remplacée par de la craie blanche. La personne qui officiait lors de cette cérémonie de blanchiment était appelée Ikeza ou Uikeza. Pendant longtemps, elle n'a connu que le premier sens de son nom. Ce n'est que tout récemment que sa tante Maria lui en a révélé l'autre, au détour d'une conversation sur la famille. Maria lui a aussi dit que sa grand-mère Anastasia était un peu médium. C'était un secret qu'elle seule connaissait et que sa mère lui avait fait jurer de ne révéler à personne, ni à ses frères, ni à sa sœur, ni même à leur père. Maria lui a expliqué qu'Anastasia avait deviné en rêve une partie du malheur qui allait s'abattre sur Immaculata. Elle espérait qu'en donnant ce nom à Blanche, elle allait être celle qui pourrait lever le chagrin du cœur de sa mère, la libérer. Blanche soupire. Ma grand-mère s'est trompée. Stokely proteste. Elle assure qu'elle a réussi à finalement éloigner le silence et le ressentiment de leur vie, à retisser un lien entre les générations. Il prononce presque sans accent « Wichieza uri umubiei muziwa ». Tu es une bonne mère. Un vol de chauves-souris emporte leur voix, claire et emmêlée, jusqu'au bout de la grande rue de Butar, et peut-être même au-delà, jusqu'aux ruines d'Ikomoko. La nuit est sur le point de tomber. Blanche pose la main sur l'épaule de son fils et lui fait signe d'attendre avant d'appuyer sur le bouton de la radiocassette. Dans l'air frais du jour exténué, à l'instant même où un soleil rougissant disparaît derrière la crête de l'horizon, elle lui confie ce qu'elle sait de plus précieux. Nous sommes la descendance d'Immaculata, les enfants du crépuscule de Boutaré. En France, on dit de cet instant que c'est l'heure entre chien et loup. On devrait plutôt l'appeler l'heure métisse. Nous sommes le ruisseau de nuances cristallines qui coule entre les murs monochromes, une trace survivant ou mitant des cris, haine ou amour, l'un ou l'autre. Parfois les deux à la fois, des sentiments comme des couteaux, ils ne savent faire que ça. Nous sommes le collier arc-en-ciel qui magnifie le cou d'une femme qui a trop longtemps été seule face à un monde monochrome. Nous sommes le petit vent qui soulève délicatement le couvercle du chagrin. Nous sommes les rejets du jour d'après qui font mentir les langues médisantes, ceux qui fleurissent contre toute attente. Merci beaucoup pour cette magnifique lecture. Merci Adrien, merci Beata. Ça a été un ravissement des oreilles. J'espère que vous partagez, Madame la Secrétaire Générale et Paula. Et j'ai tout de suite envie de vous demander, Beata, en fait, Blanche, c'est Beata ? Ce n'est pas un roman autobiographique. Néanmoins, il y a de moi en Blanche, mais je dirais qu'il y a aussi de moi en Immaculata et même en Stokely. Je pense que Paula Jacques, qui est grande écrivaine, ne me contredira pas. On met un peu de nous dans chacun de nos personnages. Mais je partage effectivement avec Blanche le métissage, l'expérience du métissage, parce que c'est avant tout un roman sur le métissage, sur la rencontre entre des cultures différentes, sur la possibilité d'habiter les frontières et de se faire passeur de culture. C'est ce qu'essaye de faire Blanche. Je partage avec elle cette ville de Boutaré, qui s'appelle Houillé maintenant, où je suis née, où j'ai grandi, au Rwanda. Mais on a également des expériences différentes, notamment l'expérience du génocide contre les Tutsis, puisqu'elle part juste au début, alors que moi, je l'ai vécu. Et puis des métiers différents. Mais tous mes personnages ont quand même presque chevillé au corps l'amour des mots, même quand ils ont disparu. Et tout le projet
de ce roman, et je dirais presque en général des écrivains et des écrivaines, c'est de mettre des mots là où le silence risque de tout ensevelir, de remettre les mots et de permettre de nouveau la communication et la transmission. Si je peux intervenir là, tout d'un coup il y a une chose qui me traverse l'esprit, nous parlions de la langue, bien sûr de l'importance de la langue française. Le livre de Béaté, c'est bien sûr un livre qui parle de ce terrible génocide du Rwanda et de ses conséquences à la fois psychologiques sur les survivants et sur ceux qui ont eu la chance d'échapper à ce massacre. Mais c'est aussi un livre sur la langue, curieusement, parce qu'il y a une phrase dans ce livre qui dit « Une famille qui ne se parle pas est une famille qui meurt ». Or, cette famille est séparée à la fois par des années, puisque Blanche a réussi à fuir le Rwanda et que sa mère, Immaculata, est restée. Alors, elle en a vécu toutes les atrocités. Elle a été sauvée en se réfugiant chez un libraire, comme par hasard. Donc c'est en quelque sorte l'entourage des livres peut-être qui lui a sauvé la vie. Mais c'est donc Blanche, loin d'elle, éprouve le besoin de renouer quelque chose. Le lien s'est rompu. Et comment renouer le lien, sinon retourner là-bas et voir ce qui se passe et rencontrer une mère quasiment mutique. C'est-à-dire qu'elle en a tellement vu, elle en a tellement souffert qu'elle ne peut plus parler. Or, peut-être, c'est peut-être la parole qui va la délivrer. Et c'est aussi un livre sur la langue, dans la mesure que la langue de Stokely, le fils, est indéfinie. Il est métisse, il ne connaît pas la langue originelle de sa mère, il ne connaît pas vraiment le français, et en plus, Béata invente un truc extraordinaire, cet enfant né avec un frein sur la langue. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'il naît, il ne peut pas parler. Il ne peut pas même téter, oui, voilà. Tout à fait. Donc, ouais. D'une certaine manière, tout passe par la langue qui va se délier. Et peut-être qu'en se déliant, elle va apaiser les souffrances et rapprocher les gens qui se sont séparés. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un livre sur la langue. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, absolument. Et en vous écoutant, je me dis qu'on est quand même aujourd'hui réunis à l'OIF. Que ce qui nous réunit, c'est une langue. Tout à fait. Et que nous sommes en train d'échanger avec des... Alors, il se fait que vous êtes toutes les deux nées... au Caire. En Égypte. Nous sommes toutes les deux nées au Rwanda. Et nous sommes là aujourd'hui parce que le français... Nous rassemble. Tout à fait. Donc, tout à fait. Alors, Madame la Secrétaire... C'est aussi, si je peux me permettre... ce livre est aussi un livre de la langue et des langues. Et moi qui parle très bien, je pense, les deux langues qui se retrouvent dans le livre, le français et le kinyarwanda, ma langue maternelle, ce livre est vraiment délicieux. Alors, je viens aussi d'une famille de linguistes en kinyarwanda. Les premiers textes, les premiers manuels scolaires ont été écrits donc par mon oncle, et donc j'adore la langue de mon pays. Je m'en nourris tous les jours. Le passage de la langue du Rwanda à la langue française qui est au-delà de la France, c'est magnifique. La traduction, mais qui est une traduction qui vient non seulement avec la langue, mais aussi avec la tradition, avec une lecture entre les lignes. C'est vraiment la manière dont les deux langues sont maniées dans le livre est magnifique. Alors justement, Madame la Secrétaire Générale, on aurait voulu savoir, puisque vous avez lu ce livre, est-ce que ce livre a provoqué des échos ou une émotion particulière pour vous ? Oui, alors, moi, je n'ai pas lu ce livre, je l'ai savouré. J'ai lu ce livre dans l'avion. J'allais de Bruxelles à Kigali. Je l'ai terminé quelque part au-dessus du Soudan, peut-être. Et j'étais tellement absorbée par le livre. Parce que ce livre est une histoire de vie au pluriel. Et c'est une histoire de résistance. C'est une histoire de vulnérabilité.
C'est aussi une histoire de génération. C'est une histoire de plusieurs continents. C'est une histoire de rêve, d'attente, de chagrin, d'amour. Et donc, j'ai vraiment savouré ce livre. Alors, un livre comme celui-là nous fait, moi personnellement, m'a donné beaucoup d'espoir. Vous savez, même dans le milieu dans lequel on évolue professionnellement, on est sur les 5 continents, nous avons un travail qui touche à la langue, qui touche à la politique, qui touche à la coopération, à la promotion de la femme. Et il y a quand même, le monde a quand même beaucoup de tout ce que j'ai trouvé dans le livre, de chagrin, d'amour, de désespoir. Et donc, ce thème de résilience est un terme magnifique. Et c'est un terme qui s'applique aux jeunes et aux moins jeunes. Et de faire passer cette force, cette force plus forte que la vie elle-même, en tout cas dans le livre, d'une génération à une autre, c'est faire passer ce qu'on a de plus fort, de plus beau, d'une mère à ses enfants et des enfants à leurs enfants. Et avec Stockley, qui est magnifique, Beata m'a déçue parce que je pensais que c'était son fils. Et j'allais lui demander de l'amener. Ce petit garçon, mais qui est d'une force formidable, qui est le fruit de plusieurs vies. Et j'ai beaucoup aimé qu'elle ait choisi la fin du livre, parce que cette résilience vous rend aussi nostalgique. Et en même temps, vous donne beaucoup d'espoir. C'est ça, l'espoir. De voir ce petit garçon qui, voilà, qui, c'est vrai, quand il est né, il ne pouvait pas téter, il avait un frein. Oui. Mm-hmm. Et qui essayait de comprendre sa grand-mère sans parler la langue, mais qui était devenu très proche d'elle. J'ai adoré les lettres de Stockley à sa grand-mère. C'est fantastique. Mm. Et donc, cette résilience, c'est pas quelque chose que je prends à la légère, qu'on devrait prendre à la légère. Parce qu'il nous en faut tous les jours, tous. Peu importe nos métiers, peu importe ce que la vie nous a réservé, on se lève souvent, de temps en temps, avec une envie de vaincre ce que le destin nous réserve. Et donc, pour moi, c'est un thème et une histoire absolument magnifique. Alors, la réaction que ce livre a suscité chez vous, Madame la Secrétaire Générale, a été, je crois, largement partagée par un ensemble de lecteurs, Beata, et notamment les jeunes, auxquels nous attachons beaucoup d'importance dans notre organisation, et auxquels Madame la Secrétaire Générale elle-même attache un pan important de son intérêt et de sa force, je dirais. Et donc, nous avons pensé qu'il serait bon qu'on puisse les entendre. Et c'est la raison pour laquelle je vais tout de suite demander à nos collègues à la... Vous êtes une écrivaine à la notoriété bien établie. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme voulant se destiner à l'écriture? Et est-ce un domaine où, en tant que femme, il faut faire preuve de davantage de résilience ou plutôt de force de caractère? Ce qui m'a frappé en lisant votre roman, c'est ce recours fébrile, ponctuant la narration, au tutoiement maternel. Cette adresse, qui est quasiment sans répit, à Immaculata, ce lien qu'on devine fragile, mais qui est nourri coûte que coûte par Blanche dans sa narration, et qui dévoile un vide familial et mémoriel, mais surtout qui dévoile une pudeur personnelle. Cela m'a tout de suite fait penser à la lettre au père de Franz Kafka,
où l'auteur est justement tiraillé entre le besoin d'adresser directement son père et la nécessité de se confronter à l'image qu'il aimerait en garder. Par le titre même de votre œuvre, on devine un rapport accidenté mais terriblement sincère de Blanche à Immaculata. Ma question à partir de cela est donc la suivante. Une femme forte et résiliente l'est-elle forcément du fait de la transmission et donc de la perception d'un modèle maternel, qu'il soit tangible ou au contraire insaisissable? Je vous remercie. Béata? Alors, je vais commencer par répondre aux questions de Flora Babin, oui. Qui demandait s'il fallait faire preuve de force ou de résilience. J'ai envie de lui dire les deux, ma générale. Mmh. Et bien plus encore, parce que malheureusement, il en est demandé toujours plus aux femmes, encore aujourd'hui. De la force à la fois pour ne pas se laisser enfermer par des discours, voire pire, des sentiments, c'est-à-dire que ça a été instillé depuis très longtemps, d'illégitimité, à prendre la parole, à écrire. De la force parce que... il faut qu'elle puisse trouver sa langue à elle, sa langue d'écrivaine, sa voix propre, singulière, et ne pas se laisser enfermer dans des cases où une certaine lecture caricaturale qui peut être faite par différents milieux culturels. Je ne sais pas de quel milieu social elle est, mais dire aussi que, en plus des obstacles en tant que femme, si elle vient d'un milieu social plus populaire, par exemple, il faudra alors faire aller décupler les forces, puisque là aussi il s'agit de lutter contre les clichés ou les représentations. Mais derrière tout ce que je dis là, qui peut être extrêmement décourageant, je dis surtout que il y a, et ça c'est le conseil, c'est de s'entourer de personnes, hommes et femmes, qui seront lui apporter la sororité, la fraternité nécessaire. À la fois des gens qui puissent être honnêtes par rapport à ce qu'elle leur fera lire et ce qu'elle leur fera entendre, mais aussi généreuses et généreux. Et dire aussi que cette sororité-là, elle est importante. Et je regarde Paula Jacques aussi en disant que la solidarité entre écrivaines femmes est absolument primordiale, que ce n'est pas parce qu'on dit que sur les 10 places, il n'y en a qu'une pour les femmes, et donc les femmes, battez-vous entre vous pour avoir cette place. Non, il y a des places pour tout le monde et on sera solidaires pour que chacun, en fonction de sa passion, de son désir et de son talent, on puisse les occuper. Je veux juste ajouter une chose à ce que dit Béata, c'est que si on porte en soi un livre urgent, irrésistible, il existera. C'est-à-dire, ce qu'il faut finalement, c'est la force et l'intensité d'écrire cette histoire-là. Par ailleurs, je remarque une chose, il est vrai que dans des tas de domaines, les femmes en France sont marginalisées, sont moins payées, mais je crois très fort que dans le domaine de la littérature, en tout cas, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne sera pas publié. Dans ce domaine, il y a une espèce de justice et d'égalité. Au moins, on l'a dans notre jury. Voilà, bon, ça, voilà. C'est déjà, ça c'est. Oui, non, on l'a. Même chez les éditeurs, hein, je vous assure. Non, je sais bien, mais. Oui. On l'a, mais avant d'être publié, à tout le cheminement, et je suis par exemple en train de lire Déborah Lévy, que vous avez au prix Femina, elle dit des choses très justes, et je dirais à Flora. À Flora Babin, d'aller regarder aussi, de lire ces femmes qui ont dit à quel point, dans le quotidien, ne fût-ce que trouver du temps pour écrire, est un combat. Lisez La vie sans phare de Marie Scondé. Une chambre à soi.
Voilà, Virginia Woolf, et puis Annie Ernaux aussi, mais vous verrez aussi tout ce combat-là qui est celui des femmes et dans lequel nous, vos aînés, pourrons vous soutenir justement par sororité. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir foi dans son histoire? Bien sûr, en soi aussi. Il ne faut pas avoir vraiment la conviction que son histoire ou ce qu'on veut écrire vaille la peine et que c'est important voilà, cette force de se dire oui, il y a tel obstacle, mais mon histoire est tellement importante, il faut absolument qu'on m'écoute, que je puisse la raconter. Oui, il faut cette foi-là. Il faut des combativité, on va dire. Il faut la combativité et il faut aussi des... vous parliez de résilience, des tuteurs, en fait, des gens qui vous soutiennent. Je pense, je crois fondamentalement que la résilience est possible quand il y a une solidarité. Tout à fait. Tout est possible quand il y a de la solidarité, en fait. On est d'accord. Et la question de Nicolas. Et la question de Nicolas qui était, qui faisait alors la référence à la lettre au père de Kafka, je trouvais était très intéressante. Et la question c'était, est-ce qu'une femme forte et résiliente l'est forcément du fait de la transmission? Alors je dirais que la différence avec Kafka, la relation Kafka et le père et Immaculata Blanche. Bon, déjà, Kafka n'a jamais envoyé cette lettre à son père. C'est vrai. Donc, quelque part, le couvercle... Le non-dit. Ça n'a jamais été... alors que, justement, dans le roman, et c'est ça qui fait aussi qu'il y a cette, quelque part, résurrection des mots, réparation, c'est qu'elles se parlent. Elles finissent par se parler. se parler. Ça a été long, ça a été douloureux. Il y a aussi peut-être l'idée que malgré tout, même si Immaculata ne leur a pas raconté leur histoire, elle leur a raconté des histoires. Elle leur a parlé de Macamé, elle leur a lu des récité des poèmes, parce que nous, on vient d'une tradition de l'oralité. Et ça, c'est une richesse incroyable. C'est aussi ça qui... Ces histoires qu'on entend, qu'on nous raconte, tout cet imaginaire-là rend possible, même des années plus tard, la possibilité de réparation. Et je dirais... du coup, peut-être, pour garder cette comparaison avec Kafka, que ce roman-là, « Tous tes enfants dispersés », serait presque au milieu entre un extrême qui est très douloureux et qui est fait aussi de mépris, mais une tension entre mépris et admiration extrême de chez Kafka, de la lettre au père, serait au milieu entre cet extrême-là, plutôt négatif, et l'autre extrême qui est celui qu'on retrouve chez Romain Gary, dans La promesse de l'aube, avec cet amour extrême avec la mère, du fils avec la mère. Et que ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose d'un peu plus lent, peut-être, mesuré et moins extrême, mais du coup plus apaisé. Et à la fin, de toute façon, ce qu'on recherche, c'est un apaisement. Tout à fait. Et effectivement, le sentiment très fort qu'on a dans cette... dans cette lecture de votre texte, Beata, c'est d'ailleurs ce qui a été dit par Gustave Le Glaisio quand il a dit que ce qu'il aimait beaucoup dans votre livre, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'amertume. En fait, vous n'êtes pas amer dans ce livre. Il y a effectivement, en fin de livre, un sentiment, comme vous dites, de sérénité et d'apaisement, pour lequel on vous remercie beaucoup, parce qu'en ces temps compliqués, on a vraiment besoin, effectivement, d'apaisement et de sérénité. Et alors, nous approchons maintenant, si vous le voulez bien, Madame la Secrétaire Générale, de la fin de cette belle matinée. Mais avant de procéder à la remise officielle du prix des cinq continents, j'aurais voulu profiter de cette occasion où vous êtes là, à nos côtés, Madame la Secrétaire Générale, pour savoir quelle est la vision que vous voudriez donner du prix des cinq continents pour les 20 années à venir. Alors, ma réponse est très simple. Ce prix, Paula Jacques l'a dit, est spécial. Le prix des cinq continents nous amène vers les cinq continents et amène les cinq continents vers nous. Et notre organisation, la francophonie,
Et pour moi, le réceptacle, c'est l'organisation la mieux placée. Je ne vais pas trop vanter la langue française, mais il y a de très belles choses et de belles manières de dire les choses en français. Et donc, on se projette vers le monde, puisqu'on est sur les cinq continents, et on apporte le monde vers nous. Et pour cela, c'est au-delà du mérite des livres qui, comme on nous l'a dit cette année, étaient tous excellents. Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour ce prix. J'aimerais lui donner à la fois plus d'importance et plus d'ampleur. J'aimerais que ces livres soient connus beaucoup plus. Et tu sais bien, hein, Nivine, je vous ai déjà donné le devoir à domicile, qui est de trouver une manière de rendre ce prix plus ambitieux, plus accessible, et de vraiment, au-delà du prix de la cérémonie elle-même, de nous assurer que ces belles histoires de vie qui viennent du monde francophone se propagent beaucoup plus à travers le monde. Madame la secrétaire générale, je m'engage en tant que directrice de la langue française, aux côtés de mes équipes, à essayer de mener à bien cette ambition que vous portez pour ce prix. Paula, je vais vous demander, étant donné que nous n'avons pas eu la chance d'avoir Paul Cahuzac sur place au vu du contexte sanitaire, de nous présenter en deux mots son roman, puisque c'est lui la mention spéciale pour son roman Ténèbres, paru aux éditions La Peuplade. Et puis nous aurons après l'opportunité de le voir à travers les écrans. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Ténèbres, c'est un livre extrêmement cruel, oui, brutal, et violent, tout à fait, exactement comme le sujet qu'il porte. Il s'agit au 19e siècle, fin 18e, de toutes ces occidentaux, ces puissances qui se ruent sur l'Afrique noire pour y mettre la griffe, pour accaparer les richesses, et ce faisant, en détruisant la population. Et là, c'est donc l'histoire d'un homme, un géomètre, un brave homme, qui est mandaté par le roi Léopold du Congo, lequel a eu la main sur les Anglais et les Français qui guignaient ce bout de terre sauvage. Et notre personnage, Paul Cleggs, est envoyé pour mesurer physiquement, finalement, le territoire où va entrer ce que le royaume belge appelle le progrès de la civilisation. C'est-à-dire qu'il est censé repérer, mais vraiment physiquement, ce qui va appartenir corps et âme au roi des Belges. Et cela se produit avec énormément de massacres et de brutalité. Et il se trouve que pendant l'équipée, parce que c'est une espèce d'équipée, d'épopée, l'avancée sur cette terre sauvage, le géomètre est accompagné d'un Chinois, lequel Chinois est tatoueur et également très habile dans l'art de découper les corps, ce qui est très utile vu l'amoncellement de cadavres que produit cette avancée vers soi-disant la civilisation. Voilà donc le sujet, c'est un livre qui répond exactement à son sujet dans la manière où c'est un livre cruel, brutal, violent, et on en sort désespéré, mais c'est un très beau livre. On en sort dans les ténèbres, en fait. Voilà. Voilà. Alors, sans plus attendre, on peut peut-être écouter et voir à travers les écrans. Voilà, Paul Cahuzac. Bonjour à toutes et tous. Je suis en fait à Chicoutimi, au Québec, en contrée francophone. Je suis très content de me joindre à vous de façon, on va dire, distancielle, ce qui me permet de remercier organisateurs, organisatrices et jurés du prix et de féliciter Beata ou même Mbiei Mérès, la grande lauréate de l'édition des Cinq Continents. Quand j'ai appris que j'avais gagné, en fait, j'y croyais pas du tout parce que il y avait, enfin, je m'y attendais pas parce qu'il y avait une excellente sélection en fait de finalistes, hein, et puis hein, le côté international, je me disais bon ben, écoutez, je suis pas forcément de taille ou de niveau, enfin, même si c'est pas une compétition. Et voilà, donc j'étais très très ravi, très content, d'autant plus que la dimension internationale, transculturelle du prix est vraiment quelque chose que je privilégie. Mon roman s'appelle Ténèbres au singulier. Il a été publié aux éditions La Peuplade en 2020.
Et ça raconte l'histoire tout simplement d'un jeune géomètre belge qui est envoyé par le roi Léopold II pour concrétiser, matérialiser la frontière nord du nouvel État indépendant du Congo que le roi s'est approprié. Et bien sûr, ça ne va pas se passer du tout comme prévu, puisque on va sombrer dans une sorte de réalisme mystique, réalisme magique qui va partir dans tous les sens. En fait. Donc voilà, je vous remercie encore très chaleureusement de m'avoir lu et de m'avoir mise en lumière. Je pense que ce prix va beaucoup m'apporter et va me permettre de belles rencontres. Je vous souhaite une belle journée de la francophonie. Madame, voilà un homme heureux. Oui. Un homme heureux. Et qui a fait un jury heureux quand même. Absolument. Oui, tout à fait. Malgré les ténèbres. Malgré les ténèbres, voilà. Madame la secrétaire générale, l'heure est venue de remettre officiellement le prix des 5 continents de la francophonie par notre secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo. Édition, donc, prix pour l'édition 2020 à la lauréate franco-rwandaise Beata Omobuyi-Meres pour son roman « Tous tes enfants dispersés » paru aux éditions Autrement. Alors, il faut que... Voilà, madame, je vous remets donc le prix pour que vous puissiez à votre tour le remettre à Beata. Félicitations. Bravo. Félicitations, Beata. Merci, Paula. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Merci à tous. Merci à nous. Alors, je voudrais juste, avant de terminer, si vous me le permettez, Madame la Secrétaire Générale, rappeler que les deux romans sont en vente dans les librairies et rappeler également que l'appel pour les maisons d'édition pour le prix 2021 sera lancé dès avril prochain. Merci à vous tous. Très bien. Merci beaucoup. Merci Madame la Secrétaire Générale. Merci à vous. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Ça a été rondement mené. Bravo. Merci.